préparation rando avec un temps ma foi incertain. Nous on va par là-bas et cet après-midi, je sais pas si on voit, mais on prendra les téléphériques qui montent ici pour aller tout en haut où il y a un lac en fait. On se gèle, mais quoique quand le soleil sort, franchement on est bien. Voilà. Ouais, mais c'est pas grave. On verra. De toute façon, ça peut pas être pire. C'était vraiment chouette la dernière fois, mais bon. Ça peut pas être pire que 600, enfin non, presque 700 mètres de dénivelé. 16, 17 km, 15, je sais plus. Enfin bon, bref. C'est parti. On est parti avec nos bâtons. De ouf, on est en nage mais c'est pas trop beau. Putain. Ouais, ouais. C'était glamour, tu vas pas mettre ça dans ton film. Oh bah je vais me gêner, tiens. Tout en haut à 1696 mètres, sachant que à la dernière randonnée on était à 2700 je crois. Je sais pas si en vidéo ça rendra, mais on peut voir les nuages passer. C'est magnifique. Alors, donc on vient de monter les télécabines qui sont juste derrière. Je ne sais pas si on les verra. La vue est splendide. Et du coup, bon bah, on va pas faire les télésièges parce qu'on n'aura pas le temps et parce que ça m'arrange. Et parce qu'à pied, on n'aura pas le temps. Petite installation comme des papis et mamies. On est sur nos transats. À la fraîche. On se régale devant la vue. Arrive et nous allons charger puisque nous allons partir. Donc en gros ça fait 5 jours qu'on était là et c'était chouette et on va charger et on va y aller. Toutes les bonnes choses ont une fin et on est quand même content de rentrer. Et ah, attention chaud. Oh, oh my god. On va se régaler je crois. C'est parti. C'est la route du retour. On a bien mangé. On vient de manger une tartiflette au restaurant L'Auberge de la Poutre. Une merveille. Du coup, il va s'endormir au volant.